Salut à tous, c'est Titanos. On se retrouve pour la suite de Bloodborne. Ce jeu magnifique. Franchement, je prends une claque à chaque fois que je fais une partie. D'une beauté, le gameplay, tout me plaît. Dans ce jeu, vraiment, l'univers, ça j'aime bien. C'est vraiment nickel. Alors la dernière fois, je suis un peu dégoûté. La dernière fois, j'ai vu au niveau du boss. Comment il s'appelait ce niveau? Je crois que c'était là. Ça a pas capturé. C'était ouais le Yargul, le village invisible. En fait, la partie où je fais la fin du niveau et le boss et le début du donjon Kalis numéro 3. L'enregistrement il a pas marché. Donc je suis un peu vert. En plus le boss j'avais fait en first try donc. Espèce de truc dégueulasse avec les sorcières en haut. Je sais pas comment j'ai fait, j'ai trouvé l'espèce de porte sur le côté et j'ai été défoncer les sorcières, j'étais tranquille. Par contre je sais plus comment il s'appelle et comme je peux pas le refaire, tant pis. Voilà, encore un boss bizarre. Et donc là, on avait dit la dernière fois, alors attendez, j'ai 120, là j'avais pris des niveaux hier. Là on n'a rien à perdre. On peut enfin aller ici. Il faudra se refaire une petite partie où on fait un peu le tour des portes pas ouvertes. Non mais il est où ce château? Voilà, le château d'année de Kenhurst. On va se faire ça aujourd'hui. Sachant qu'hier j'ai retourné dans le centre de conférence au premier étage et ça débouchait sur encore une nouvelle zone. Plutôt bizarre avec des serpents et tout. Ouais, donc ça ça fait 2-3 parties que je crève d'envie de le faire. Magnifique. Ça m'a rappelé je sais plus, Demon's Souls ou Dark Souls 1, le tout début. Qu'on monte comme ça, il y a un petit peu des, je crois que des, il y a des, je fais des charrettes et des chevaux morts. Ouais, voilà, un peu comme ça. Et les premiers zombies qui t'attaquent. Après la zone de tuto. Et ouais, ça m'a rappelé ça. Sauf que là, c'est de la neige, de la glace. Putain, mortel. Screenshot again. Bon, là apparemment on a eu une invitation. Donc je sais pas si vous pouvez revoir dans les autres vidéos le moment où je viens. On monte dans la calèche et tout. Enfin dans le carrosse plutôt. Alors. On va aller par là. Bon, encore une fois, je m'attends à tout. Ah non, mais trop beau. Bon, pour le gameplay, au niveau du gun, je m'en sers pas. Je sais pas. J'ai eu quelques messages qui me disaient que finir le jeu sans maîtriser le contre avec le flingue, c'était super hardcore. Donc, peut-être que je devrais m'y mettre, mais bon, pour l'instant, ça se passe bien. Bon, voilà, il n'y a personne. C'est bizarre. Hein. C'est le début, mais bon. Il y a une porte. Pas de bras. Voilà. Bon, a priori, c'est pas par là. Bon, la première fois que j'étais venu, j'avais zappé la lampe et j'ai vu deux ennemis. Ah voilà, il y en a un là-bas. Bon, un serpent. Enfin, je crois que c'est un serpent. Ouais, c'est un serpent. Bon, on va voir les dégâts que je fais ici. Le truc, après le, bon, ça va. Après le centre de conférence, là, l'espèce de serpent qui sort des loups-garous, ils sont balades, hein. J'ai trouvé. Putain. Je pense que la suite, ce sera là-bas. Ou
ou alors c'est encore un truc optionnel, je sais pas. Putain. Pas de poison, ça va. Ah la hache, c'est efficace. Au niveau de la portée. Non, non, mais vous êtes combien là-dedans? Ah, par contre, le premier et le deuxième coup, je sais plus, ils passent au-dessus de leur tête. Ouais, ça, c'est pas pour les serpents. Neckland. Ah putain, en plus c'est même pas par là. Joyeux sanglant apaisant. Je crois que j'ai déjà ça. Non, 4 même. Bon, bah alors, mauvais choix. Enfin, vu l'objet qu'il y a, c'était pas... Bon, ça va, au niveau des dégâts, j'en fais. Mais j'en prends pas trop. Ah. Ah, ce cul en sanglant. Wow, par contre, lui, il fait mal. Ah, dégueulasse le vide tout rouge. Ah, une espèce de vieille mouche gorgée de sang. Bon, a priori, eux, ils font du dégât. Attends, je vais me soigner. On va essayer d'en avoir deux sur le cul. Ouais, par derrière, hein, comme d'hab. Par derrière, ça marche bien. Bon, encore mauvais chemin. Bon, il y a le ventilo à côté, j'espère que ça fait pas trop de bruit. Il fait tellement chaud. Bon bah non, c'était pas du tout par là. Putain, je comprends pas les trucs là. Là je peux monter et des fois il y a des passages où t'es bloqué comme ça, tu peux rien faire. Et là tu peux monter. Et encore deux là. Ah merde, je suis bloqué. Ah, les petites décos, statues, arbres et tout, c'est bien, mais sauf qu'on... Quand tu restes coincé dedans, c'est un peu relou. Ouais, je crois que t'as reculé au bon... Qu'est-ce que c'est que ces bestioles, putain? Ah, il y a une espèce de mouche. Ah, je sais pas, ils ont un bide gorgé de sang. Ils viennent se faire un festin, le truc, et... Ah, là-bas, il y a un... J'espère que c'est pas fermé. Voilà, voilà, il y a eu mon... Wow, attends, ce que je disais, pas deux en même temps. C'est bon. Allez, vas-y. Un à la fois, ça va. Deux... Moins bien déjà. Et après, la petite réunion là-bas qu'il y a, ça a l'air... Ça va être compliqué. Ils sont combien? 3? Ouais, je suis pas obligé d'y aller, mais...
qui lootent ces trucs là. Ah, des trucs, des joyaux sans vent. Oh putain. Où est-ce que ça va? Brume engourdissant. Toi, j'ai déjà ça. Je sais plus à quoi ça sert, mais je crois que j'en ai déjà. Tu fais quoi, Liliana, là? Non, tout à l'heure. Encore un petit peu. Attends, voilà. Ma fille qui veut jouer à Spyro. Ben c'est pas le moment. On fait le château de Kenhurst. Donc c'est pas par donc. Ah, là-bas par contre j'ai pas fait. Ah, mais ça s'ouvre tout seul. Je sais pas si je dois m'en méfier. Après tout, je suis invité. Alors, comment... Un petit poignard. Ah, mais... Merde, faut que je le lock. Ça doit être sensible au feu, ces trucs. Au fait. Wouah, carrément à côté. Oh, putain. Descends-toi. Oh non! Putain, mais c'est dégueulasse! Ils sont dégueulasses, ces bestioles! Ça me rappelle trop des moustiques. Bon, bah, déjà, on sait que le chemin, c'est par là. Ah, j'ai pas bien esquivé. Bon, ça va, c'est pas loin. Doucement. C'est toi qui as mis les échos de son. Il a les yeux bizarres. Ouais. 18 000. Bon, lui, je vais le tuer parce qu'il va m'emmerder. Oh là là, avec deux poumons à faire son truc, c'est chiant. Putain. Ah, le bourrage de cul. T'as pas sauté comme là. Viens par là, y'a de la place. On va se battre. Putain, on me tue encore. Donc ça, quand t'arrives à le placer. Ça fait du bien. Je sais pas pourquoi j'ai l'impression qu'il y en a un qui a un... Non, c'est juste... Celui du milieu, j'ai l'impression qu'il est un peu plus... balèze. Oh. On va leur faire ça. Ouais, lui, j'ai l'impression que c'est le Golgoth. Ah oui. Putain, il est bien gorgé. Il est gorgeous. Il peut même pas bouger. Il va faire un truc, c'est obligé.
Ah non, mais il est énorme. Oh là là, le sac à merde. Nécrosante frénétique. Bon, franchement, ça vaut le coup. Attends, faut que je regarde encore ce que c'est. Si tu loot le truc comme ça, c'est que... doit avoir un rapport. Brume lancé pour créer un nuage de brume empêchant la régène des PV. Donc peut-être, potentiellement, il y aura des ennemis qui pourraient se régénérer. On va dire... Bon bah là on peut continuer, je sais pas s'il va me voir lui, non. Ah si, il m'a vu. Wow. Ouais mais par contre ouais, ils font mal aussi. Hein. Non, 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 je veux pas mourir. Pas déjà, pas comme ça, pas à la porte. Pas de citresse. Il faut y me tuer. Ah, enfin. Je sais pas s'il m'attend là-dedans. Pas un boss déjà, non, c'est pas possible. Pour la zone optionnelle, bon, ça veut pas forcément dire une grande zone, je pense. Il pourrait très bien y avoir un boss direct, là. Putain, comment il est beau, le jeu. Regardez-moi ça. J'entends parler. C'est quoi Cosette? C'est un PNJ ou je peux le loquer? Et que ça brille, Yvette, ça ne fait rien. J'ai peut-être tort, mais... Oh, tu es la femme de ménage du château, hein, comment ça brille, c'est nickel. Et vous me rallumerez toutes les bougies éteintes, s'il vous plaît. Savoir de démon. Ah, putain, tu sors d'où toi? Non, je l'ai pas vu. Ah. Ah mais putain, ils apparaissent. Hein. Waouh. On dirait ils apparaissent. Ah, un coffre. Putain, j'ai 31 000 déjà. Reiter Palache. C'est quoi? C'est une arme? Je peux regarder, c'est calme là. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Attends. Je me rappelle même Reiter Palache. Reiter Kalashnikov. Ça ressemble à une arme, mais bon. Ah, c'est ça, c'est une arme. Oh, attends, vu ce que c'est. Ah, je peux pas le prendre. Pourquoi je peux pas le prendre? Il faut... Mais pourquoi je peux pas le prendre? Je vois pas. J'ai tout... C'est quoi les trucs jaunes, là, sans... C'est bizarre. 10 en... Ah d'accord, ouais, 10 teintes sanglantes, ouais d'accord. Je pensais que c'est... Ok, il me manque 4 niveaux. Je sais pas, ça m'intrigue cette arme. Faudrait que je farme juste pour augmenter les stats comme ça. Pour l'instant, pour farmer, je vois pas trop...
À part le... Oh putain. Bah, je sais pas, c'est encore le coup des nécromanciens là, qui font appel à tout le monde à l'infini. Les autres qui sont... Attends, je sais pas si je peux les tuer, enfin je peux les tuer mais je sais pas si ça sert à rien, on peut les appeler pour rien. Après je vais peut-être regretter mais... Putain, arrête de loquer n'importe quoi. On va pas loquer comme ça, je tape où je veux. Pas de loot hein. Il y a encore un coffre ici ou c'est bon. Non, ils reviennent pas apparemment. Non. Bon, allez, passons à la suite. Château. Alors, je suis curieux de voir le boss d'ici. Ça pourrait être un truc dégueulasse. Ouah, par deux. Ils sont pas costauds mais... Non, je voulais pas le tuer lui. Enfin, je voulais pas le tuer. Morceau de pierre de sang, ouais, il y a longtemps que j'ai plus besoin. Donc là, a priori, je peux redescendre, mais je vois pas trop l'intérêt. C'est cassé. Donc là, j'espère qu'il y a un truc par là, parce que sinon, je suis bloqué déjà. C'est bizarre ça. C'est une meuf. C'est elle qui rigole comme ça. Ah, ça y est. Lui, il se réveille. Jusqu'à présent il faisait rien, il fallait que j'en tape un pour que... Je me disais c'est bizarre, un mec qui te tape pas, faut pas le taper. Bon bah dans les jeux c'est pareil. Putain, il est trop beau. Je vois l'objet mais j'ai pas trop envie de me précipiter, c'est bizarre. Une balle d'argent. Ah ouais. The death trap. Il y en a partout. Je sais qu'il y en a une derrière. Ça bouffe de l'enjeu ce truc. Ah, ça me bouffe tout mon enjeu. Ouais, ils sont pas rapides. Alors. Un petit coffre. Je sais pas ce que c'est ici. La salle du dîner. Qu'est-ce qu'ils peuvent bouffer ? J'entends encore rigoler.
cassé. Non. Ken Hurst, en fait, c'est quoi? C'est quelqu'un? C'est le château de Ken Hurst. Ken Hurst, c'est une province, c'est un bled, c'est un village, ou c'est quelqu'un? Je sais pas. Une belle robe. On va voir ça. Attends, y'a personne. Une belle robe. Bon allez, on va le mettre juste pour voir. Ah, ça fait la bonne qui se rebelle. Ouais. Bon, on va pas le mettre parce que niveau des stats, c'est pas le top. Ouais, attends, j'avais quoi du coup? Tenue de chasseur hein, comme d'hab. Hein. Non, tenue noire de l'air. Ouais. Ouais, je crois que j'avais ça. Non, c'est pas ça que j'avais. Bon, bref. J'en regarde juste. Bah, je crois que j'avais ça. Parce que le truc de l'étudiant, non. Par contre, ouais, je préfère celui-là quand même. Pour l'électricité, ésotérisme. Il est un petit peu moins au niveau défense, mais. Ouais, je vais prendre celui-là. Je pense que c'est ça que j'avais. Non, même pas. Mais c'est quoi la tenue que j'avais? C'était pas ça. Ça, c'est le truc qu'on revient sur la tombe de. Enfin, à l'emplacement où on tue le père Gascoigne. En fait, il y a deux chasseurs qui se battent. Et. Celui qu'on tue, bah, il vous passe. Non, qu'on tue après qu'on va au magasin. On peut prendre, acheter des trucs avec les. Comment ça s'appelle? Les savards de démons. On peut acheter cette tenue-là. Ou alors c'est au magasin, je sais plus. On retourne à l'extérieur. Moi, bah, c'était bien la tête. Oh, putain! Vas-y, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Arrête de me croquer. Non, il va me tuer. Putain. La lampe, elle est loin. Ouah, wow, j'ai trop pas vu. Qu'est-ce qu'il fait? Un 1210. Ouah, wow, je l'ai trop pas grillé. Faut falloir que je fasse gaffe. Il y en a pas un là-haut? Je crois qu'il y en a un là-bas sur le toit. Bon, ok. Vigilance, vigilance. Ah, mais il aurait pu me tuer, hein. Lui, je l'ai vu. Est-ce qu'il est tout seul? Je fasse gaffe à eux. Je préfère. Limite, je préfère ceux-là que ceux du début avec le gros bide plein de sang. Bah, lui, je l'ai vu. J'ai failli me faire avoir. Non. Putain, lui, j'avais pas vu par contre. Oh, c'est chaud! Fragment jumeau.
Putain. Magnifique. Ah. Beaucoup d'espace là. On va attendre un petit costaud, vu le. Ça fait genre place pour un combat de boss. Ou tu sais, le mini boss d'avant. Et ça va. Je m'attendais à un truc ouais, plus balèze. Ah, ils se font tellement bien dans le décor, l'espèce de gargouille. Encore une fois, ça rappelle Dark Souls 1. À Norlando, les gargouilles. En plus petit, mais. Ah, Norlando, putain, ce niveau. Pff, mythique. Juste avant, après la forteresse de Seine, franchement, ça enchaîne bien. Ah! Putain, je les avais pas vus, les statues et tout. Le mec qui bouge pas, trop marrant. Ah, c'est des gargouilles. Tenue de bourreau. Ah, puis c'est bien de mettre le set à chaque fois. Qu'est-ce que c'est que ça? Non, j'ai tout sauf le chapeau. De bourreau 90, 120. Pousser, c'est quoi ça? Pousser. Je sais pas ce que c'est. Ouais, c'est pas mal, hein. Juste, on va voir à quoi ça ressemble. Ouais. C'est pas mal. Mais bon. Quand même, celle-là, elle est mieux. Enfin, on va prendre la tenue de bourreau. Et si ça se corse? Parce que après l'électricité pour l'instant, à part le sombre bête, il n'y a pas trop d'ennemis qui utilisent le truc électrique quoi. Waouh, la bibliothèque, c'est quoi? Putain, j'ai 49 000. Oh, attends, on va rester par là. Ah ouais d'accord, je pensais que c'était un... Ah non, c'est le truc pour prendre les bouquins. Je sais plus comment ça s'appelle ce truc. Ah, il y a un coffre là-bas. Bah, du coup, tu peux voir un petit peu en hauteur. Un levier. C'est déjà ouvert, mais c'est bizarre. Le registre des villes sont... Ah. Est-ce que ce serait le truc qui était bloqué du début? La porte qui était bloquée du début. On va en faire tout de suite. Ça se pourrait. Ou alors ça n'a rien à voir, je sais pas. Ouais, c'est ça. Logiquement, la lampe, elle est là-bas. Ah, j'ai bien... Ah, je sais pas si... Je retourne me prendre un petit niveau, parce que 50 000...
Le boss, je... bah ouais ouais on y va parce que là c'est juste à côté. Ça j'arrive, vu que j'étais que deux meufs là-bas. Ouais on va faire ça. Bon il est bien ce niveau pour l'instant, il me plaît. Les zones optionnelles, je sais pas combien il y en a. À ma connaissance, 3. Ah ouais, donc du coup, on m'avait dit qu'elle n'est pas là, elle n'est pas aux chiottes, elle n'est pas partie faire du shopping. Elle est ici. Dora, de la lune et des rêves, ô chétif, ô volonté fugace des anciens, que la chasseuse soit sauve, qu'elle trouve le réconfort et que ses rêves, son geôlier, augure un réveil agréable. Excuse-moi. Bienvenue chez vous, brave. Ouais, désolé, on était en plein recueillement, en pleine prière. Que désirez-vous ? Je veux prendre un niveau. Très bien, laissez-moi. Deux, ça va pas être possible. Ah, 32 000 le niveau. Il me manque. Il me manquerait 12 000. On va essayer, hein. Tout le nécrosang que j'ai, après tout, ça sert à ça. Hein. Rosé de nécrosang, j'en ai un paquet. Ah non, pas tant que ça. Là, j'en ai 5. Ça fait combien ? 1. Ouais, ouais, c'est possible. Là, je prends les 4 derniers, 4 fois 2, 8. Si je compte bien, il va me manquer soit un tout petit peu, ou soit ça va être bon. Ouais, plusieurs, oui. Ah, je crois qu'il va me manquer un tout petit peu. Voilà. Ouais, il me manque encore un petit presque 6 000. Donc si ceux-là ils font 2 000, ça veut dire que les autres ils font au moins 3 000. Au moins. Puis j'en ai 11, ouais c'est jouable, c'est bon. 3 000. Je pense que c'est bon là. Ah putain, il manque 3 000. Il me manquait 3 500. Ouais. Les trucs qui sont là, et ça fait combien? Putain, 5 000. Ouais, du coup, c'est mieux de claquer un de 5 000 que deux de 3 000. Et j'irai prendre des fioles, parce que au niveau du stock des fioles, ça fait quand même un moment où je retourne à 23 à chaque fois, et j'en ai pas looté, enfin, je n'ai pas vu énormément dernièrement. Et ce que j'ai fait dans les niveaux, j'ai pas... les fioles de sens, il n'y a pas eu beaucoup, quoi. Je prendrai bien force endurance. Ah, à chaque fois j'oublie ce que c'est, ça, putain. Le truc avec les balles, non. Ouais, non, moi je vais plutôt prendre ça et ça. Devrait peut-être augmenter teinte sanglante, mais non compétence. Et là il me reste 2 000, ouais d'accord. Pff, au niveau des fioles, ça va pas. Je peux avoir une fiole. Ou un cocktail. Non, un cocktail, j'en ai 10. Fiole de sang, je peux en avoir. Il n'y a pas d'autre avant. Bon, 2. C'est jamais, hein. Bah allez, on y retourne. Le château d'année de Kenhurst. Bon, pour le moment, c'est... je crois que c'est un des meilleurs niveaux que j'ai fait.
train de réfléchir là, mais je crois que ouais. Là, c'est vrai qu'il a la gueule. En fait. Donc là, je vais pas me prendre la tête. Voilà, ça c'était le raccourci idéal quand t'as 50 000 à claquer. Tu viens là, hop. Et tac. Et du coup, on peut reprendre l'exploration du début comme tout à l'heure. Donc là, il y a deux meufs, je crois. Je sais pas combien ils donnent. Pas plus. Je sais pas qui est-ce qui donne beaucoup. Alors. Bon, je trouve que j'ai... Alors, c'est peut-être les... soit les gargouilles, soit les espèces de mouches là au début. Heureusement qu'ils sont pas chiants parce que le nombre qu'il y a. Alors attends, il y avait un coffre. Je crois que je l'ai pris. Ouais, c'est bon. Donc là, c'est la raccourci. J'ai la tête rouge. Oh. Une nouvelle attaque, ça, c'est ça. Qu'est-ce qui se passe? J'ai du rouge derrière ma tête. Putain, c'est quoi ce truc? Quelqu'un me tire dessus? Je prends des espèces de poignards, je sais pas. Je sais pas d'où ça vient. Là, j'ai une marque derrière, c'est quoi ce truc? Tu es marqué. Tu as la marque de la bête. Donc ce serait où? Respectez le silence dans la bibliothèque. Oh, un coffre. Merde. Comment on y va? Ah, c'est trop con. Ah, peut-être c'est ça là-bas, non? Putain! Heureusement. J'allais dire, ça fait pas de dégâts, mais. C'est moi qui l'ai entamé. Là-bas, c'est pas lui qui... mais c'est lui qui me jette des trucs. C'est pas ça. Voilà, c'était lui. Putain, le petit con. Placer ces trucs. Non. Voilà, faut se laisser tomber peut-être. Là, je vois pas. On peut pas passer la table. Je peux pas monter. Franchement, tu peux pas aller sur la table et passer l'autre côté, s'il te plaît. Regarde, il y a un coffre. Ou tu passes sous la table, je sais pas, fais quelque chose. Non? Non. Bon, on va à part se laisser tomber, mais je vois pas. Je vois pas comment.
je sais pas. Ce château. Bon là, on a la partie bibliothèque. Tout bon soul dans une bibliothèque. Et un marin empoisonné. Et encore un là-bas, je crois. Putain, non, mais c'est magnifique. Franchement, le jeu, mais... Alors, je sais pas si j'y vais en courant et je le tue. Ouais, je vais faire ça parce que c'est chiant. Les... Ça fait pas trop de dégâts, mais... Je sais pas. Balle de vif argent. On retourne au début. Je sais pas s'il est tout seul. Oui, lui il m'a rien fait. Ah si. Ça recommence, il y en a un autre. Ouais, il y en a un autre. Pas que je me perde ça, ouais. Ah, j'ai pris le truc sur le côté, il doit être pas... Ah, il est là-bas. Putain, il est immense ce truc. Le lieu du savoir. Ah, t'es connant. Ah, du coup, maintenant... Le taf de ouf. Alors j'étais arrivé là. Alors explorons. Trop hâte d'arriver au boss, mais en même temps pas envie parce que franchement c'était. Le niveau, ça continue comme ça, j'aimerais qu'il soit super long. Ouais, merci pour les messages, pour avoir découvert, enfin m'avoir aidé à découvrir cette zone. Du coup, ça a enrichi un peu le let's play et franchement, je kiffe. Ah, il y a un trou là-bas. Se passer à côté de ça, tu fais même merde. Sinon je serais passé à côté obligé. Tu peux... Ah, des fioles de sang, merci. Tu peux pas deviner qu'il faut revenir. Ah, une échelle. Putain, j'ai pas vu. Mais... A priori, on peut se laisser descendre, mais on peut pas. Monter d'en bas. Et il y a un levier. Voilà, ça, si on te le dit pas, tu peux pas savoir que il faut revenir au truc des sorcières. Aller à l'espèce d'obélisque là. Avec l'invitation. Tu peux pas savoir ça. C'est impossible. Ouais, ce genre de jeu, quand je l'ai fini, bah bon, je le finis comme je peux. Et ensuite, je regarde un petit peu ce que les autres joueurs ont fait sur YouTube. Bon, voilà. Et puis, bah, je refais le jeu, si possible. Bah, ce jeu, je pense que je referai en NG+, parce que... Mais là, je pense que je pourrais pas tout faire. Donc, ce serait par là. Après l'échelle là-bas, je crois que c'est autre chose. Et pour le coffre, alors comment on fait? Il est où ce coffre?
pas où il est. Moi, je sais pas. Je sais pas, d'avoir un petit chemin, un truc. Si je trouve, je vais faire ah ouais, c'était ça. Je me laisse tomber. Il y a un objet. Ah ouais, c'est pas les deux gargouilles qui m'ont surpris tout à l'heure. Enfin. Donc là, si je retombe là, ouais, on va plutôt aller par là. Je sais pas si ils m'ont suivi. Mais... les gargouilles qui volent pas encore. Elle est bizarre cette dalle. Ouais non mais tu m'étonnes qu'il peut pas voler. En fait il a pas d'aile, il est palmé mais. Là c'est compréhensible, mais les corbeaux du début qui. Putain il m'a pas eu. Les corbeaux du début qui volent pas. Même d'un coup hein, ça m'est arrivé de mettre une gargouille une fois la faire tomber dans le vide, bon bah elle tombe. Oh, qu'est-ce que c'est? Comme les sorcières de machin. Attends, il y a encore un petit con qui me fait chier avec sa magie. J'appuie sur tous les boutons, je sais pas, ça sert à quelque chose. Ah là, je vois pas. Tenue de chevalier. Putain. C'est pas une armure quand même. Et ben là sa tête. Elle a sa tête dans le monde. Il faut pas faire ça. Wow. Ah. Il n'a pas un... ah il est là. Putain je l'avais pas vu. Heureusement qu'on fait des dégâts. Il faut absolument que je tue lui. Il va vraiment aller. Ah ils sont... beaucoup de coffres ici. Gant du bourreau. Alors, est-ce que je peux regarder ma tenue de chevalier? Putain, qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah, 90. Ah, c'est pas ouf, ouf. Hein. Par contre, ça c'est quoi? Défense 140. Ouais, c'est pas terrible, hein, en fait. Ouais, je vais remettre ça. C'est pas ça que... ouais, c'est ça que j'avais au début, voilà. Bon en défense et moyenne en tout. Ah,
Alors. Ah, toi je t'avais oublié. J'ai 21 fioles. Ça va. Ah, qu'est-ce que c'est que cette magie? Je sais pas si on est obligé d'attendre ou si on peut faire quelque chose. Attends, je suis arrivé de là, je crois. Mais juste celle-là. Elle est où? Non, elle se retourne, mais qui est-ce qui me tape dans le dos? Bon. Alors, du coup... En fait, il n'y a rien. C'est où la suite? Ah merde, je suis bloqué là. Ça se passait bien, mais bon. Attends, y a pas une échelle, quelque chose. Là, je ressors. Peut-être là. Ouais, parce que retour en arrière, je vois pas. Ouais, c'est ça. Après, là ou là? Il y a un levier. Ah, j'hésite. Ouais, il y a un levier déjà. Personne. Qu'est-ce que ce serait ce truc? Je vois pas quelle porte j'ai pas ouverte encore. Ah ouais, d'accord. Est-ce que j'ai déjà été là? Ce serait pas le début, le premier escalier que tu prends ou... Ouais, je crois que c'est ça. Donc c'est un raccourci, mais là je vois pas trop pour l'instant. L'ascenseur. Donc alors attends. Ouais, d'accord, ouais, je vois. Donc, ouais, gros raccourci, tu m'étonnes. Mais après, je sais pas la suite ce que c'est. Donc là, on arrive avec l'ascenseur, je crois. Ou pas du tout. Putain. Ouais, je sais pas. Je pensais que l'ascenseur il était là. Ah mais oui il est là. Là, après on va tout droit. Et donc là, hop. Voilà, voilà, ouais, c'est le raccourci, c'est pas mal. Donc il y a encore un coffre et une échelle bizarre. Ah mais merde, faut plus remonter.